toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui au chalet d'un monde de jeux, peut-être même à Hollywood, j'ai envie de dire, pour vous présenter un jeu de société en grand groupe, Hollywood 1947, un jeu qui va nous emmener sur les collines d'Hollywood, non pas sur les collines, en dessous des collines d'Hollywood, pour tourner des films somptueux, dans une époque où il se passait 2-3 trucs en Amérique. Je ne suis pas tout seul pour vous présenter ce jeu. Autour de la table, nous avons des réalisateurs, des monteurs, des scénaristes, des acteurs formidables. Incroyable. Aline. Bonjour Aline. Bonjour tout le monde. Ludo. Hi. C'est un high américain, hein. Je suis assis sur le tabouret, c'est super inconfortable. Adrien, t'as un mot d'entrée. En français, bonjour quand même. Bonjour quand même. Et Blandine. Hello Blandine. Nous allons jouer à Hollywood 1947 dans une époque où il y avait les communistes qui gangrénaient la population américaine, qui essayaient de faire passer leur propagande dans les films qui étaient réalisés à l'époque. Et vous savez que les Américains ne se sont pas laissés faire. Le Congrès s'est occupé de cette affaire. Hollywood a fait très attention et a essayé d'éliminer la propagande communiste. Et c'est ce qu'on va essayer de faire autour de la table. Nous allons jouer à ce jeu à rôle caché, dans lequel certains joueurs auront une carte loyauté qui les poussera à essayer de défendre le communisme, et d'autres joueurs, comme moi, auront la carte patriote. Vive le macartisme. Exactement. C'est un jeu qui est publié en France par Lucky Duck Games, que l'on remercie pour sa confiance, puisqu'on réalise cette vidéo en partenariat avec eux. C'est un jeu qui est publié à l'origine par Facade Games. C'est cette série de jeux qui sont dans des boîtes qui font penser à des livres, très élégants, arrangés dans sa ludothèque. Il y en a quelques-uns, on en a déjà présenté sur nos chaînes. En général, ce sont des jeux qui se jouent en grand groupe, qui créent de l'ambiance, avec souvent des rôles cachés. C'est le cas de nouveau de Hollywood 1947. On va vous expliquer ce jeu, je vais vous l'expliquer. Je vais m'y coller tout seul pour faire une explication propre, rapide. Et puis, directement derrière, on va se lancer dans la partie, tous ensemble. Et on va voir qui l'emporte. Aline, t'as ramené des statuettes sur la table? Ouais, l'Oscar reviendra au meilleur d'entre nous. À la meilleure équipe, hein, puisque c'est un jeu par équipe. Alors... Bah, donc du coup, tu vois, regarde. Il y en a jusque 3. Pourquoi jusque 3? Tout simplement parce que si jamais les Patriotes l'emportent, il y a 3 Patriotes autour de la table dans ce mode 5 joueurs. Il y aura 3 Oscars de décerner cérémonie, hein. Il va y avoir de l'ambiance. Ah, incroyable. Si ce sont les communistes, déjà, il y en a 3 qui feront la tête. Et les 2 communistes pourront repartir vers la Russie avec leurs Oscars. Ça sera formidable, évidemment. Hollywood 1947 est un jeu à rôle caché dans lequel les joueurs vont essayer de décrypter leurs adversaires pour savoir qui sont les communistes, qui sont les patriotes, et essayer de faire gagner leur camp. Commençons par la mise en place du jeu. Au début de la partie, on prend les différents métiers, on les mélange et on en distribue un à chaque joueur. Créez ensuite un paquet de cartes loyauté avec les cartes communistes et les cartes patriotes. Pour regarder dans la règle la disposition des cartes, par exemple, si vous jouez à 5 joueurs, vous allez avoir 3 cartes loyauté patriote et 2 cartes communistes. Vous les mélangez, vous en distribuez une à chaque joueur en les gardant bien face cachée, cette information est secrète. À l'annonce du donneur, tous les joueurs ferment ensuite les yeux, les communistes les ouvrent, se repèrent, puis les referment. Ensuite, tout le monde les réouvre, seuls les communistes se connaissent. Distribuez 3 cartes propagande à chaque joueur. Distribuez un dé à chaque joueur qui le lance immédiatement sur la table. Il aura soit une étoile, soit une face vierge. Placez le paquet d'affiches face cachée sur la table en posant les transparents juste à côté. Placez ensuite les pions au centre de la table. La partie est prête, vous pouvez commencer. Le jeu se déroule ensuite en une succession de manches composées à chaque fois d'un tournage, d'un montage et d'une avant-première. Phase de tournage, en commençant par le joueur qui a le numéro de métier le plus bas, chaque joueur va pouvoir faire une des 3 options possibles. Ensuite, on tourne dans le sens horaire. À votre tour, vous avez la possibilité, première option, d'échanger votre métier avec l'un des métiers présents au centre de la table. Par exemple, j'ai envie d'être acteur plutôt que caméraman. J'échange mon métier, mais attention, je ne peux pas l'exercer. Deuxième action possible, je peux relancer 2 dés autour de la table. Attention, pas 2 fois le même joueur, 2 dés différents. Je relance le mien, par exemple, puis celui d'un autre joueur. Troisième action possible, vous allez pouvoir exercer votre métier. Et c'est le moment de les regarder. Premier métier possible, scénariste. Le scénariste pourra piocher 2 affiches de genre, en choisir une pour la manche. Deuxième métier possible, le producteur. Il peut échanger 2 cartes métier de son choix. Troisième métier possible, le réalisateur. Il peut donner un pion trophée à n'importe quel joueur autour de la table.
Ces pions vont permettre de rajouter des cartes supplémentaires à l'affiche du film. Quatrième action possible, l'éclairagiste. Il va pouvoir relancer 3 dés en tout et potentiellement 3 fois le même. Cinquième action possible, le caméraman. Il peut forcer n'importe quel joueur à défausser toutes les cartes de sa main et à en piocher 3 autres. Sixième et septième métier possible, l'actrice et l'acteur, ils ont le même pouvoir. Ils vont tous les deux vous permettre de piocher 2 cartes, de les regarder, puis d'en défausser 2 parmi l'ensemble de votre main. Huitième métier possible, le compositeur, il va vous permettre de piocher 2 cartes, de les regarder, d'en choisir une et de le rajouter à la fiche du film. Et le dernier métier possible, le monteur. Le joueur qui a le monteur va pouvoir jouer sa carte pour pouvoir faire l'action lors de la phase de montage. Il va pouvoir piocher une des cartes qui est posée sur la fiche, la regarder, la garder au montage ou la défausser. Venons-en ensuite à la phase de montage qui se déroule en 3 temps. Tout d'abord, chaque joueur qui a obtenu une étoile sur son dé va pouvoir regarder ses cartes et en choisir une et l'ajouter à la fiche du film. Sur ces cartes, il y a bien sûr des symboles communistes, des symboles patriotes, voire des symboles neutres qui vont faire pencher la propagande du film dans un sens ou dans l'autre. Ensuite, les joueurs qui possèdent un pion offert par le producteur auront la possibilité de le remettre au centre de la table pour ajouter une deuxième carte à la fiche du film. Deuxième étape, vous allez devoir ajouter sans la regarder une carte du paquet à la fiche du film. Troisième étape, vous allez mélanger toutes les cartes qui ont été ajoutées et en défausser une au hasard. Si le monteur a choisi d'exercer son métier, il peut regarder la carte qui a été défaussée, choisir effectivement de la défausser ou alors de la remettre dans le paquet. Dans ce cas-là, on remélange de nouveau et on en défausse, potentiellement la même ou une autre, au hasard. On passe ensuite à l'avant-première qui se déroule elle aussi en 3 étapes. Première étape de l'avant-première, vous allez révéler toutes les cartes face cachée pour savoir quel camp l'emporte. S'agit-il des communistes, s'agit-il des patriotes? Alors c'est le camp qui a la majorité, attention il y a aussi un symbole sur l'affiche, c'est le camp qui a la majorité qui l'emporte. En cas d'égalité, ce sont les communistes qui gagnent. Deuxième étape, vérifiez ensuite s'il y a des cartes audition au congrès qui ont été jouées ou des cartes réorganisation. Si c'est le cas, tous les joueurs relancent leur dé. Troisième étape, vous remontez votre main à 3 cartes et vous vous lancez dans une nouvelle manche. Dès que l'un des camps communistes ou patriotes a remporté 4 manches, il remporte la partie. Vous connaissez maintenant les règles d'Hollywood 1947. C'est le moment de se lancer dans une partie. Et on se retrouve après ces explications de règles. Elles étaient super, hein. Je sais pas ce que vous en avez pensé. C'est limpide. Très clair. Gorgeous. Alors, on a 5 cartes que l'on va distribuer autour de la table. Aline, tu seras communiste. Non, c'est pas. Patriote. Communiste. Non, patriote. Je suis patriote. Et on se fait tous patriotes, on regarde discrètement son rôle, que j'avais annoncé, et il va y avoir la petite phase qui arrive souvent dans les jeux à rôle caché. Vous allez tous fermer les yeux. Sauf toi, du coup. Bah, au départ, tout le monde ferme les yeux. Alors, on ferme tous les yeux. Ensuite, uniquement les communistes ouvrent les yeux, se repèrent, disent « Ah tiens, Adrien, t'es communiste !» Ah oui, on a une tradition aussi. Si. C'est bon, ils se sont repérés, se sont fait des coucous, tout ça. Ils referment les yeux. Et maintenant, tout le monde, c'est le matin, ouvre les yeux. Ah, une nouvelle journée de tournage commence. On est à Hollywood. Pam, 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 palam, palam, pam. Et hop, on va se lancer. Bah, je suis scénariste. Donc je oui, vais... là, on n'a pas distribué 3 cartes chacun. On n'a pas distribué 3 cartes chacun. Ça, c'est la mise en place. Et on n'a pas lancé les dés. Alors, je vous rappelle que si jamais on a une étoile, on aura la possibilité de rajouter une de nos cartes et d'influer sur la propagande du film. Oui. Oh, j'ai une étoile. Non. Ah, ah, oh. Oh. On retentera nos dés. Oui. Ouais. On fait une alliance, Blandine. Ok. Ton rôle arrivera avant le mien. À ton tour, tu relances nos deux dés. Ça va marcher, je vais partir avant ça. Ça. Je mélange un peu les cartes parce que je me méfie. Hein. Et Aline, tu vas être le premier jeu. Pourquoi? Parce que tu as la carte scénariste. J'ai la carte scénariste et donc je vais prendre 2 affiches, je vais les regarder, je vais en choisir une et ce sera le film qu'on est en train de tourner, de réaliser. Exactement. Si jamais ce rôle n'était pas là autour de la table, nous aurions retourné un film au hasard et ça serait le film que nous serions en train de réaliser. Aline, voici 2 cartes. Tu vas pouvoir choisir. Ne choisis pas que en fonction de tes goûts. C'est vrai qu'il y a une petite indication en bas du film. Donc évidemment, moi, qu'est-ce que j'aime? Ouais. Les comédies musicales. Oh, wow. Oh, mais c'est hyper patriote. Wow. Hein. Jane Kelly, tout ça. La La Land. Moi, j'ai... Et donc on commence avec un film qui a déjà 2 symboles patriotes. Donc une belle avance pour les patriotes, c'est cool. Yeah!
Tu crois pas du tout. J'ai peut-être pas eu le choix, hein. Qu'est-ce que c'est? Mais je sais pas, qu'est-ce que t'as acheté? J'ai acheté un film d'horreur qui était pas génial. Ouais, communiste. Bah, voilà, très très bien. Sûr. J'adore cette comédie musicale avec Alyssa Hightower. Alors, c'est très sympa dans le jeu, c'est qu'on a des cartes avec vraiment des types de films qui peut-être existent. Pas vraiment. Kathleen Richards et Léon Cric. Bien ça, bien. Clairement, on l'a déjà vu dans d'autres affiches de films. Oui, oui, bah dans La La Land déjà, je crois. Hein. Aussi. J'ai beaucoup dire La La Land dans cette vidéo. Ensuite, on passe au rôle suivant, c'est à toi c'est de jouer. C'est à moi, je peux échanger deux cartes métiers au choix et j'ai envie d'échanger les cartes avec toi, Martin, le communiste, parce que monteur, j'ai très envie d'être monteur, j'ai toujours rêvé d'être monteur. Donc j'aimerais récupérer ta carte monteur et vu que je viens de récupérer la carte, je peux. Bah écoute, ça tombe bien, on a quelques rushs. Alors, tu rêves d'être monteur. On est censé en parler. Et donc là, je vais vous montrer que je suis très performant en tant que monteur et je vais mettre ça là et je vais activer mon personnage, mon nouveau métier et je vais montrer à la fin du tour. Et je pourrais faire le producteur et changer de carte hein. Tu pourras faire ça, oui. Mais moi j'ai déjà joué. Ouais. Ensuite, c'est à Blandine. Alors, Blandine, je te propose un truc. Là, nous, on n'a pas d'étoile. Tu peux relancer 2 dés. C'est l'un des pouvoirs possibles. Dans ce cas-là, tu ne joues pas ton rôle. Tu relances les dés. Ou alors, tu prends un pion juste pour toi et tant pis pour lui. Mais j'ai pas le droit de prendre le pion pour moi. C'est marqué. Donner un pion trophée à n'importe quel joueur. Parce que Blandine est réalisatrice et tu peux donner un pion trophée ce qui permettra de jouer une carte même si tu n'as pas d'étoile. Pas idiot, hein. Allez, vas-y, je suis sympa. Ah, pas lancé. Ouais, merci Blandine. Tu te manipules. Tu sais pas du tout. Et là, tu vas rater. Oh, ça va être quoi. Bon, alors par contre, moi j'ai l'étoile, j'ai plus besoin de relancer les dés. Donc, t'es sérieux? Non, mais oui. Vraiment, t'es pas sympa. Mais regarde, Blandine, à chaque fois. Mais tu fais. Je vais pas faire une action qui ne sert à rien. Mais je me suis dit qu'un jour, il va vraiment être gentil, il va lancer mon dé. Non. Non, moi j'aimerais bien. Tu peux relancer le mien si tu veux. Mais oui, regarde, on est les deux là. Tu vas être scénariste, et ben c'est facile, tu me donnes un autre rôle. C'est vrai, tu peux prendre scénariste pour le prochain tour. Ouais, je vais prendre scénariste pour le prochain tour, ça m'a l'air super. Parce que j'ai l'impression que ça sous-entend que j'ai très mal choisi, on est d'accord. Ouais. Oui. Non, ça sous-entend que j'ai envie de... Ah, t'as raison. T'as bien choisi, Aline, comme je suis loyaliste. Mais tu en même temps... Déjà, sur le « vous allez fermer les yeux », déjà t'es cramé, depuis le début. Je me suis sûr, le lapsus. Ouais, les gens derrière leur écran, ils t'ont cramé direct. Vous cramez en quoi? Vous pensez que je suis quoi? Bah, t'es pas ça. Ah bon? Ah, d'accord, ok. Moi, je suis toujours le bouc émissaire dans ces cas-là. Tu sais ce qu'on fait dans YouTube dans ces cas-là? Dans les commentaires. Mettez dans les commentaires, est-ce que Martin est communiste? Alors, je vais changer mon rôle. Finalement, tu vois, je laisse Aline avec ce scénariste. Je change mon rôle, je fais le rôle de réalisateur et je te donne un pion trophée. Est-ce que je suis pas sympa, ça. Est-ce que je suis pas hyper sympathique? Je vais quand même vous dire un truc. Quoi? J'ai pas eu le choix entre les cartes. Hein. T'as changé d'avis. Ok, moi je vais jouer mon pouvoir qui est pour... Je peux relancer jusqu'à 3 fois les dés. Donc je vais relancer celui de Blandine parce que je trouve que c'est un peu triste qu'elle participe pas. C'est moi qui suis communiste. Mais t'es vraiment pas trop doué. Le mec il est sympa et tu le trouves. Ah, écoute ça. Ça, c'est un coup efficace. Voilà, j'ai bien joué. Merci quand même, Ludo. Bah, je t'en prie. Ok, bah, c'était bien joué. Maintenant, on a fait le tour de la table. C'est le moment de pouvoir rajouter des cartes. Déjà, tous les joueurs qui ont des étoiles, et toi aussi, puisque tu as un peu trophée, je vais être sympa avec toi. Merci. Vont pouvoir... Mais tout le monde va rajouter des cartes sur Aline. Non, sauf Aline. Ouais, elle a joué un rôle important. C'est pour ça que je me suis dit. Voilà. Ah, si, ah, mais t'as voulu l'utiliser. Bah, si. Tu l'utilises? J'ai envie de jouer, moi. Ok. Hop. Bon, Adrien, t'es monteur. Moi, je suis, je suis patriote. J'hésite à rajouter encore un symbole patriote parce qu'il y en a déjà beaucoup autour de la table. Après, ou l'économiser et comme mettre un bon communiste. Deux, trois. Parce que je regrette, j'ai pas de faucille et de marteau. Très bien. T'as raison. Je pensais qu'il montait beaucoup moins marquant dans les jeux, là. Ah oui, j'ai l'impression qu'il est... Okay. Je rajoute. Non, mais faut rajouter la carte. Je vous rappelle qu'il y a 2 communistes autour de la table, ils sont très d'accord pour dire que je suis communiste. Et là, chez vous, il y a un problème. T'as rajouté la carte. Rajouter la carte. La carte random. Alors, on rajoute la carte random. Est-ce qu'on a... Moi, je monte. Ah oui, c'est le monteur qui peut faire ça. Et choisis judicieusement, s'il te plaît. Non, mais Adrien, il n'a jamais de chance. Hein. Non, ils ont de chance, là. C'est talent. Je décide de défausser cette carte. Ok. Et on révèle. Donc, on remélange. Non, c'est bon, on n'a plus la peine de remélanger. Tu peux mélanger si ça t'amuse, mais ça ne sert à rien. Hop, il y a toujours une carte qui est défaussée. Là, tu as validé le choix que cette carte, ça soit celle qui a été tirée. C'est tout. Alors, vas-y. C'est bon. 3, 2. Non, c'est un neutre. 3 communistes. Non, parce qu'il y a 2 symboles. 3 ici. 3, 3. 3, 2. C'est neutre.
Ah non, il y a trois symboles. Deux symboles, oui. Je sais 3, pas. 3, bah oui. Non, donc, c'est les communistes égalité, c'est les communistes qui gagnent. Alors, petite fait. Information, j'ai hésité à mettre une j'ai carte neutre. J'ai bien aimé le « c'est bon ». Je vous jure que j'ai pas vu de j'aime dit, c'est pas trop égal, j'ai vraiment pas vu les deux, quoi. J'ai hésité à mettre une carte neutre parce que je me suis dit, ça doit passer, je vais économiser ma carte patriote, parce que j'en avais qu'une en plus, et je ne l'ai pas fait. J'ai mis la carte patriote. C'est toi qui dis que t'as mis cette carte. C'est moi qui ai mis cette carte-là. D'accord, ton mensonge de plus. Mmh. Ah, bah, non, parfait. Ça signifie que là, les autres joueurs ont mis soit du communiste, soit du neutre. Mmh. Alors qui attends, c'est... Il n'y a que Aline qui participait pas. Non, ah si, Blandine a participé aussi. Oui, j'ai joué. Tout à fait. Donc, moi j'avoue que j'ai mis un communiste parce que du coup je me suis dit après il y a une deux... carte qui a été écartée hein. Ouais. Faut s'en j'avoue aussi. J'ai mis un communiste. Non mais c'est... alors que t'étais pas obligé de jouer parce que t'avais ça. Okay. Mais t'as mis un communiste quand même. Non mais j'avais envie de jouer mais en fait j'avais mis un temps d'utiliser okay. Maintenant. Ok, c'est bon, c'est fini. Ça sent pas bon. Mais non mais bah attends, c'est bien joué. Regarde-moi. Comment sauver. Bon, les communistes remportent ce premier fait. Attention au quatrième film, c'est la victoire. Pour les communistes, il va falloir faire quelque chose. Mais pas du tout. Hop, premier film. Et communiste. Je suis scénariste. D'abord, on a fait un jeu à rôle caché ici. Je suis scénariste, je veux bien. Faut repiocher pour prendre les grilles. Et on relance notre petit... Non, il n'y a qu'une carte, il y a une carte qui le permet, mais elle n'est pas tombée. Eh bien, je suis scénariste, toc toc toc. J'ai vérifié qu'on n'avait pas bien rôle. Alors Aline, qu'est-ce que tu scénarises? Moi, je scénarise un film d'Alfred Hitchcock, enfin de Trav Hancock. Ouais. Mmh. Elles sont belles les affiches, hein. Ouais. Ok. Je scénariste romance. Donc toi, t'as ah oui, je me suis mis. Elle m'a cherché ma carte, mais elle est où? Ok. Alors lui, c'est un très mauvais monteur, hein. Je veux pas. Et il va remonter, je le sens. Pourtant, je vais vous prouver que j'étais bon. Ouais, bah non, mais je le sens pas du tout. Adrien est toujours communiste de toute façon. Maintenant, on avait un doute. Il y a beaucoup de communistes autour de cette table. Tu vois qu'il y a une personne qui est assez obvious maintenant. C'est quoi toi? Moi c'est pour relancer les dés jusqu'à 3 fois. Ouais, je vais faire ça. J'ai pas eu beaucoup de talent, je t'avoue. Tu veux lancer. Attends, j'essaye de lancer mon dé. Je peux lancer ouais, bien. Ouais, bien en sûr. Fait, c'est t'as le droit à 3 lancers de dés. 1 oh. 2 Attention, ouais. Attends, essaie, fais le rouler un peu parce que là Ouais, ah, ça c'est la bonne méthode de lancer. Là, t'auras le droit de participer. C'est à moi, donner un pion trophée à n'importe quel joueur. Est-ce que tu me donnerais pas un pion trophée? Aline, merci. Voilà ton pion trophée. N'en fais pas trop. Moi, je suis le dernier joueur. J'ai envie de prendre le rôle de scénariste parce que je trouve que Aline. Scénarise assez mal. Jusqu'à présent, les films étaient. Oh. Je crois qu'on connaît les. Je crois qu'on mais connaît... quelle transparence. Mais c'est fou. On connaît les communistes. Non, mais Aline, parce que moi, j'ai envie de participer. Le même argument blondé. C'était exact. C'était. On a fait le tour. Allez. On va rajouter des cartes pour ceux qui ont des étoiles. Tout le monde a des étoiles. Exactement. Ouais. Ah, il a dépensé son trophée. Rajoute une carte. Monsieur le monteur. Je vais encore faire un travail de monteur exceptionnel. Essaye de mieux monter parce que. Et pourtant j'avais bien monté. C'est juste que. Moi j'ai des doutes là. Ici à Hollywood avec mes copains réalisateurs, on a des doutes sur Adrien. Alors là, tout le monde a mis une carte, c'est ça. Hein. Oui. Ouais. Les 5. Ok. Je laisse la carte. Ah, tu remélanges et t'en tires une autre. Et là, cette fois, tu le. Celle-ci est défaussée, quoi qu'il arrive. Voilà, hop. Très bien. Montage. Alors, c'est parti. Pour l'instant, le film est Égalité, enfin communiste, du coup. Donc, pour l'instant, communiste. Ah, il redevient patriotique. Il reste patriotique. Oh, non. Réorganisation. Mélanger toutes les cartes métiers, on donc, aura ça à faire après. On refera tous les métiers. Et neutre. Sans et de nouveau, romance est un film. Alors je sais pas ce qui se passe dans le film, mais très clairement, il y a une séquence, notamment quand ils vont pas au Buffalo Grill, à mon avis, qui est quand même le symbole de l'Amérique. Je pense qu'ils vont tous manger. Qu'est-ce qu'on mange en Russie? Le plat de poutine, c'est ça? Le porche. Ouais. Ah non, c'est pas du tout là. Exactement. Un deuxième film communiste. De la poutine. Du goulash. C'est pas, c'est pas ça. Du goulash. Blandine. Blandine, mais tiens-toi pendant les émissions, c'est pas possible. Bon, par contre, on relance tous les rôles. Voilà. Je suis très content d'avoir pris le rôle de scénariste pour me le faire virer directement. Quoi. En tout cas, je dois vraiment. C'est bon, il faut vraiment que j'arrête de monter parce que je suis. Une carte pour tout le monde. Ça marche pas, quoi. Troisième manche. Je suis très déçu. Est-ce qu'on a un réalisateur, monsieur. Non, on n'a pas de scénariste. Non, mais acteur, on s'en fiche. On va tirer au sort. C'est qui le plus petit chiffre? Le plus petit chiffre, c'est moi avec 3.
C'est incroyable. Donc là, on tire au hasard le film. L'affiche. Évidemment. Oh, un film de un péplum. Mais double communiste, ça, attention. Ça ressemble à celui qu'on a vu au ciné il y a pas longtemps. Evan Potson, Levi Antonio, Sphincter Jameson et Preston Capou sont les acteurs principaux de War, un film extraordinaire. La véritable histoire de la plus grande bataille de tous les temps. La plus brutale des batailles de tous les temps. Wow. Ok, alors moi je vais... je vais pas jouer mon rôle de réalisateur, parce que en réalisation je suis pas... je vais plutôt relancer des dés. Ah. Non, celui de Blandine. Oh. Moi, celui de Ludo, j'y crois pas trop. Hein. Tu peux relancer le mien aussi, si tu veux. Non, j'ai relancé. C'est deux dés différents que tu dois lancer. Ah ouais, je peux pas le faire, celui-là. Punaise. Celui de Ludo ou le mien? Pourquoi tu veux pas aider Aline? Ouais, je vais aider Aline. Voilà. Ça, c'est cool. Ça, c'est sympa. Blandine, tu es caméraman. Oui. C'est n'importe quoi, a défaussé toute sa main et mais a pioché trois nouvelles cartes. Vous en avez... Moi, je veux bien déposer la mienne. Je suis OK. Après, tu sais que je suis ton ennemi, donc tu vas pas m'aider. Prouve-moi. Bah, OK, vas-y. Je peux déposer ma main. Oui, tu peux défausser ta main. Waouh. Moi, je suis acteur, je peux faire la même chose. Non. Non. Permettez à n'importe quel joueur de piocher deux cartes et d'en défausser deux. Aline, est-ce que t'as besoin de changer des cartes? Non. Non, elles sont super tes cartes. Mmh. T'es contente de tes cartes? Ouais. Moi je veux bien les redéposer. Moi je vais faire moi, hein, c'est bon. Je veux bien les J'ai eu exactement les mêmes cartes que j'avais avant. Je m'écoute pas du tout. Je suis sûr que t'as un menteur. Ah, catastrophe. Moi je suis actrice, donc je peux faire la même chose. Je peux le faire pour moi, sauf si quelqu'un vraiment a des une main de merde. Moi je veux bien. Moi, c'est t'as re-raté ton truc? Ah oui. Non, toi t'as déjà fait. Moi j'ai une très mauvaise main. Ah toi t'as déjà eu un. Oui, mais donc je le fais pour moi. Je fais oh pour là moi. Là, mais quel égoïste. Ouais, en fait, je l'ai jamais. Ah oui, j'avais le choix en fait. J'étais pas obligé de. Je suis bête parce que j'ai défaussé une neutre. C'est débile. Ok. On a tous joué. Non, Aline, non, pardon. Moi je vais relancer 3D. Mais faut la paix à m'aider. Mais pourquoi moi? On est dans l'équipe, Aline. Oh là là, mais le but elle est. Mais on est dans la même équipe, Aline. Oh là là. C'est beau. Bravo, copine. Okay. Mais vous êtes pas sympa. Bon, ah, mais toi, vous êtes communiste les deux. Qu'est-ce qui se passe? Si, c'est passé. Bon, bah, non, on joue pas. Du coup, allez-y, vous deux. Faites, mettez une carte chacun. Il n'y a pas de montant, du coup. Le problème, c'est que. Tac, tac, ok. Ouais, bah là, on va connaître votre rôle. Très, très simple. Il y a la carte random. On n'a pas. Carte random, évidemment. Il n'y a pas les rôles spéciaux. Il n'y a pas de monteur. On fait carte random et on mélange et on en retire une au hasard. Check, check, check. Dites-moi stop. Là, ça me fait vraiment très très rire que tout soit communiste. Ça serait drôle, hein. Mais ça sera pas le cas. Ouais, ça c'est patriote. Mais moi, on m'a viré, hein. Sinon, c'est bon, ça passait si c'était moi. Et neutre, c'est ça suffira. Eh ben, c'est pas. Communiste, bravo les amis. Ça n'a pas joué communiste, comme tu le remarques. Pourquoi tu m'as supprimé? Parce que j'ai un doute. Mais t'es toujours un doute sur moi, de toute façon. Vraiment. Et attention, là, c'est 100% communiste pour l'instant. Ouais. Et là, Aline. Moi, j'avoue que je croyais à fond sur Martin communiste et je commence à avoir des doutes sur le Il n'y a aucune chance, j'ai rien fait de communiste depuis le début. C'est pas possible. Mais j'ai pas du tout fait quelque chose de communiste. Si tu as mis une carte communiste, mais j'ai pas fait exprès. Le premier tour, je suis le seul à faire patriote. T'as bien vu. C'est vrai, t'as raison. T'as raison, je me tu suis vas, tu m'as éliminé du truc. Pardon. Donc là, si les communistes remportent la manche d'après, c'est fini. Bah oui. Donc il faut vraiment que les patriotes se bougent. Alors, on retire des cartes pour ceux qui ont eu la chance de pouvoir en jouer. Toujours pas de scénariste, donc on va tirer au sort le prochain film. Alors, j'espère qu'il n'est pas communiste. C'est suspense, c'est vrai. Détective, un film avec Jessica Thierio, Jana Schultz et Mike Brunner. Mmh. C'est lui qui faisait Facile à chanter, non? Ouais, je me souviens. Ok. Ah, ça va être compliqué. Donc là, on recommence par Adrien. C'est forcément moi. Et la configuration n'est pas... c'est la même, hein. Est-ce qu'on a les deux communistes? En fait, est-ce que c'est vous les communistes? Non, c'est pas possible. Les trois avaient joué communistes au premier tour, c'est pas possible. Ah, mais moi je pense que tout le monde est communiste en fait. C'est ça le principe du jeu. C'est qu'au bout d'un moment on dit, mais c'est pas possible, ils sont tous communistes. On est d'accord qu'on peut piocher un autre. Oui, à la place de. Tu peux changer ton rôle avec les rôles hors jeu. Moi, c'est face visible. Moi je vais faire ça. Oui, ils sont face visible. Par contre, je pourrais pas faire le rôle. Je vais juste les changer, j'aurais pas le rôle. Je vais les changer. Ah, puis moi je suis acteur quoi, ça sert à rien. Contre le. Ouais, mais je pourrais pas faire d'action. Non, tu vas lancer des attention, parce que tu changes pour le tour prochain. Ouais, je sais. Et si les communistes gagnent, il n'y a pas de tour prochain. Donc, ouais, bah oui. Mais là, je peux en même temps, t'as ton étoile, qu'est-ce qu'il faut. C'est ça, je peux rien faire de pertinent. Ouais. Puis j'ai aucun intérêt à me donner un trophée, étant donné que j'ai pas des bonnes cartes. J'ai pas envie de jouer des cartes là. Donc, donne-moi le scénario, s'il te plaît. Merci.
Bon. Blandine, c'est à toi. Oui. Il n'y a pas un truc pour relancer les dés. C'est une action de base, il n'y a pas besoin de rôle. Il n'y a pas besoin de rôle, tu peux relancer jusqu'à 2 dés différents. Une fois. Bah, je vais relancer les miens. Si jamais moi ça rate, je relance le tien. Yes. Ah. Non, non, toi je te fais toute la chance. Tu n'as pas relancé Ludo. Bah si. Non, je vais relancer Aline. Parce qu'Aline, elle était méchante avec ouais, elle est pas non, elle n'est pas communiste, Aline. Oui, alors communiste ou pas, c'est pas la question, elle est méchante. Elle était méchante. Le regard qu'elle t'a lancé, je serais pas à l'aise. On sait que les communistes sont parmi ces trois-là, on le sait. Et hop, oh, on choisit Aline. Bah oui, le premier tour de jeu, on a vu que ça jouait communiste là, là et là. Ah, si tu relances mon dé, ça te désigne communiste. Mais elle est déjà désignée. Mais je suis pas communiste. Bah alors, tu relances pas mon dé. Je lance les dés de qui alors. Maman, relance mon dé, je suis à zéro. J'ai rien, moi, je peux pas jouer. Non, mais le mien, évidemment. Évidemment, le mien. Non, fais-moi jouer, fais-moi jouer. Mais Ludo, potentiellement, on peut pas être communiste tous les deux. Alors, toi, t'as dit que t'as joué un communiste. Ludo, il a sans doute joué la carte avec deux communistes. Moi, j'ai dit ouvertement, j'ai joué celui-ci. Bah, où elle a pu être piochée. Je pensais que ça passait vraiment. Ah non, mais c'est vrai. En fait, tout l'intérêt de piocher une carte au hasard, c'est que Martin n'est pas communiste. Relance Martin. Je relance Martin ? Ouais. Ok. Voilà, ça c'est mon équipe. Voilà, nickel. Est-ce que c'est une erreur ? On verra. Permettre à n'importe quel joueur de piocher deux cartes et d'en défausser deux. Je vais le faire chez moi. Parce que je vais jouer et il me faut des bonnes cartes. Il veut pas m'aider ces deux fois. Pourquoi tu me regardes comme ça ? Donc celle-là, je vais les défausser quoi qu'il arrive. De toute façon, elles sont communistes, j'en veux pas. Et celles-là, elles sont encore pires ! Mais du coup, je vais pas. Non. Je vais enlever la pire. C'est fou d'avoir pas de chance au tirage comme ça. Bah moi je vais essayer de récupérer une étoile. Oui, je participe. Et qui je relance du coup? Aline, si elle était méchante. On va quand même pas finir la partie. Je signale, moi mon rôle c'est relancer 3D. Ouais, c'est pour ça change rien. Hop. Voilà. Ça peut changer quand même. 2 hein. Et 3. C'était sûr. Ah, la catastrophe. Les rôles se dévoilent. C'est le moment de jouer des cartes. Il y a beaucoup trop de cartes communistes. Beaucoup trop. On s'en sort pas. Il y a une tension de folie. C'est terrible. Ajoute la carte aléatoire. Et il y a. Hop. Et on n'a pas, pas de monteur. On n'a pas de monteur. Tu seras de monteur. Ah oui, alors j'espère que je vais pas défausser la mienne. Bah, ça serait la catastrophe. Aline, dis-moi stop. Stop. Vous pouvez accélérer chez vous là. Tac. Okay. Mesdames et messieurs, le film Détective a été réalisé de main de maître par des gens qui sont marqués dessus, mais aussi avec. Sans déconner. Waouh. Non, là je le mets. Waouh. 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 Ma carte a été éliminée. C'est pas ma carte, c'est ignoble. Je la reconnais. Heureusement qu'il y a cette carte là. Et heureusement qu'il y a celle-ci aussi. Attends, là c'est encore les. Pour l'instant, c'est encore communiste. Ouais. Une neutre. Ah, mais c'est pas possible. Ah, ça c'est vrai. on a la fameuse neutre. C'est moi. Ah, là, là. Ah, pardon. De toute façon, c'est les communistes ont gagné. Mais les communistes ont gagné. Oui. Bravo Ludo. Bravo Ludo. Bravo Ludo. Oh ma carte était étonnante. Une surprise, non mais c'est fou. Par contre, on s'est un peu tiré dans les pattes nous, alors qu'on avait des informations. J'ai eu un doute à un moment. Moi, je vous jure, je n'avais que des communistes et des neutres. Je n'avais que des neutres. J'ai passé mon temps à changer mes cartes. Moi, j'avais que ça. Oh, mais l'autre. Puis l'autre qui met un petit communiste. Oh, j'utilise ma statuette pour mettre un communiste. Oh, j'avais envie de jouer. Ah oui, Mélodie, j'avais envie de jouer. Mais lui aussi, elle gagne quand même. Quoi. C'était son argument. Ah. On s'est fait rouler dessus. Elle gagne quand même. De manière scandaleuse, on a quand même réussi à dire assez facilement, mais surtout que c'était le moment critique, hein, assez facilement quels étaient les rôles autour de la table sur la fin, ça se voyait quand même malgré tout. Oui, quand même. On a vu qu'on a fallu argumenter. Hein. C'était le rush final. Bon, bah voilà, c'était. Je vous ai quand même un peu aidé. Hein. Oui, ah. Oui, c'est vrai. Félicitations quand même à nos deux communistes. Ouais, c'est la cérémonie des Oscars, lamentable. Ça s'est jamais passé comme ça en vrai aux Oscars. Ça a toujours été plutôt des films qui développaient, qui défendaient même l'image de l'Amérique. C'est rare que ce soit des films communistes ouais, qui remportent des Oscars. On n'a pas fait Rocky. Hein. Non, bah non, là, clairement. Mais non, mais c'est vrai, ça colle. Hein. Détective, romance. Ah, une comédie musicale communiste, quand même, on a réussi à faire. Et wow. Vous avez compris comment le jeu Hollywood. Ah, vous avez surtout compris 47. Comment on jouait communiste. En disant, vidéo, j'avais très envie de jouer. Et alors, il y a un petit texte à la fin du livret. C'est
c'est bien parce qu'il y a un contexte historique quand même, donc c'est intéressant de le dire. Je vous le lis ou pas? Allez. Au début de la deuxième peur rouge et à l'apparition du McCarthyisme, le gouvernement américain soupçonnait le Parti communiste d'avoir infiltré l'industrie du divertissement à Hollywood. Donc ça, c'est un fait historique. Ses membres craignaient que les cinéastes fassent passer des messages antipatriotiques et discréditent les valeurs du capitalisme, nos valeurs du capitalisme, de la liberté et de McDonald's. L'Alliance cinématographique pour la préservation des idéaux américains alla jusqu'à publier une brochure conseillant au personnel d'éviter les subtiles touches de communisme dans les films. Donc ça, c'est vraiment le contexte historique tel qu'il a existé. Alors, c'est chouette de le rappeler parce qu'il y a quelque chose... Le texte est plus long, hein, je vous laisserai lire la suite. Mais il y a un fond qui est véridique, ça nous replonge dans cet univers-là avec... Il y a quelque chose de la chasse aux sorcières quand même. Mais oui. Le McCarthyisme, oui, bien sûr. Ça a été une période assez terrible pour les créatifs américains. Et avec donc des affiches. Ah bah ouais, il y a du Disney, il y a du western, il y a pas mal d'affiches. On a ce contexte qui est quand même super agréable. Film noir. Voilà, pour ce jeu, Hollywood 1947. Si vous savez maintenant comment il fonctionne, vous savez si vous avez le public pour y jouer. On arrive à la fin de cette vidéo. Et puis on vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouveaux jeux et de nouvelles vidéos sur la chaîne. Ciao. À bientôt. Ciao.